Le problème là, c'est que moi, je parle, le dernier peut-être, ceux qui ont vécu, qui étaient à l'époque des faits, à la présidence, ça, c'est que j'ai dit que c'est vrai. Le colonel de Gaulle, tous ces hommes sont coiffés par Béré Rouge. Il a arrêté Béré Douane, Béré Blanc, c'est pas vrai, c'est les compliqués. C'est pas vrai. Donc, tout ce qu'il dit, par exemple, il n'est pas d'accord avec Toumba, tout, comme ça que tout le monde. Même à Nouveau-Tel, on est arrivé là-bas, il est prévu. Rien n'a été prévu comme sécurité là-bas. Le président, quand il s'est dit, avec des hommes d'affaires qui devaient rapporter là-bas, on avance là-bas. Alors, on va là-bas, à l'imprévu, c'est un hôtel. Les ambiscades sont possibles. On est en train de monter, c'est bon, tu vas m'aider à la place du Bayern ici. Je n'ai même pas de je l'ai ramassé, je l'ai pris. Il a crié, c'est ça, il a rose. Jusqu'à Ougara, le quota est parti 100%. On
dit, oh, tu guides 100 personnes. Guider pour les 100 personnes. Moi, je guide 100 personnes. Donc, c'est un équilibre total. Mais cette fois-ci, il était question, moi, je ne disais pas parce que je n'étais pas consulté maintenant, de recruter et de, c'est-à-dire, miter le régime en place, les faire remplacer par les autres, occuper, voilà, comme la première le dit, faire commander par ses propres gens. Donc, le recrutement est parti comme ça. L'effectif exact, je ne connais pas. Mais tout le monde a entendu le ministre de la Défense que c'est bien plus long. Donc, ce qui est une disproportion par rapport à l'échelle nationale, parce que si il se le. Voilà, je ne vais pas parler de. Moi, je n'emploie pas de communauté, pour ne pas blesser toute une communauté. Moi, je vais seulement dire des forces journalistes. Comme ça. Parce qu'il y a d'autres qui font rien à voir avec la liste, malgré tout. Donc, il y a eu le recrutement. Même moi, j'ai eu un quota. Même les matières ont eu un quota. Même le général Konaté a eu un quota. J'ai dit chacun a eu un quota. Mais sauf que, après le recrutement là, il y a eu une sélection sélective. Tout ce qui ne parle pas de patois n'est pas la bienvenue à Kaléa. C'est qu'il y a l'école d'instruction de la Marine nationale. Après Koya, là on appelle 66. Ça, c'est comme la Marine nationale. Donc tous ceux qui ne sont pas de l'autre côté sont là-bas. Mais spécificité, ça c'est Kaléa. C'est bien. Là-bas, ça c'est clair. Maintenant, ceux du 66 ont été délocalisés vers l'école, vers le centre d'instruction de Kishibou et de Kankan. C'est ceux-là, après leur formation, beaucoup se sont retrouvés à Noé Forêt, c'est du Kankan, et dispersés, affectés dans les différents unités. Ceux de Kishibou, c'est à l'intérieur du général de Maté par un discipline qui les a battus. Si vous suivez les radios, ils continuent toujours à réclamer même autant de rapports. Même la population. Ce n'est jamais possible ça. Donc, de l'autre côté, c'est là-bas. Moi, je ne suis plus, c'est le Kitumba et écarté du commandement. Je connais. Moi, je suis là-bas. Je suis là-bas. Maintenant, un soir, il y a un groupe qui a débarqué, les Macabos, ceux qui coordonnent ceci. Les coordinateurs de ça. Le chef de voyage, d'abord l'agentier, le l'intendant particulier pour le Sagré, Macabo, bienvenue là-bas. C'est lui qui était de l'autre côté là-bas. Voilà, parce que Yannis Kamara, le président de l'Église. Parce que l'homme partait de lui. Il est le commandant de l'imagerie, qui a déjà expliqué ça. C'est-à-dire qu'on enlève l'ambiguïté hein, par rapport à la question de qui est commandant de l'Église. Non. Faut pas que, c'est ce que j'ai dit, le colonel Tchekolo, ils sont à la présence qui ne connaissent pas la structure de la présence. Par manque de volonté, Kyumba est commandant de la garde présidentielle. Il n'y a que la garde présidentielle. Ce n'était pas structuré comme ça. Kyumba est égal. Mais même le sable est absorbé. C'est-à-dire que depuis le président a dit qu'il est commandant du régiment, le sable est absorbé par ses proches. Parce que le commandant du salon, lui, était avec nous à l'arrivée du pouvoir. C'est pour cela qu'on a donné là-bas. Béguet, on l'a donné là-bas parce qu'il a buté aussi. Mais c'est un prieur. Béguet. C'est un prieur. Même moi, il ne me l'écoutait plus. Parce que je l'ai fait l'observation une fois, je parle.
c'est nous qui étions venus ensemble. Mais quand il y a la présence, il ne passe pas chez moi, il laisse un discernement. Après, il n'a pas été retiré. J'ai fait l'observation, j'ai dit, mais à quoi des réactions de Dieu? Pourquoi il n'arrive pas chez moi? Malgré qu'on a joué, on a malgré ensemble. Il dit aujourd'hui, je veux aller. Donc, bébé aussi, il pouvait manifester sans attendre l'ordre de quelqu'un. Non, non. Marcel, on n'entend pas. Marcel, toujours, anciennement, chaque fois que j'ai un petit gars, il vient. Marcel, pour voir Marcel, il faut le bien. Ouais. Il est au-dessus de moi. Parce que moi, j'occupe le premier, il est ici. Compliqué. Il occupe le deuxième. Même bâtiment. Mais quand mon ami la vient, c'est qu'il le fait attendre après qu'elle le reçoit, il dit, ah, ouais, donc là, vous serez honni. Vous serez honni. C'est ce que lui, il ne dit pas. Marcel ne dit pas. Mais lorsque le jeune revient, il me dit, ah, mon commandant, c'est qu'il dit là, ça fait longtemps qu'il est là-bas, Dieu ne voit pas. Il me réjouit avec lui, bon, c'est la foule. Un jour, on rentrait de la ville, moi et Dadé, c'est la chaîne qu'on voit, on est venu, donc la population nous a accompagnés jusqu'à l'entrée à la scène. Arrivé, le véhicule de prison a gardé, mon véhicule le suivait, Marcel est sorti devant mon véhicule pour intimider mon chauffeur, il garde là. Il dit à mon chauffeur, marche. Mais heureusement, la population était venue l'envoyer sans se rendre compte de le dégager. À la rentrée de ce président, il voulait me saluer, il dit, il essaye de cacher comme ça. Mon affaire, près de 2 semaines sans se parler, je ne sais pas comment, ils ont informé le président, ils m'ont appelé, c'est juste qu'il fallait voir un conseil pour raconter au président. Ils sont assis dans son bureau, en train de dire, voilà, Toumba se rebelle, il se rebelle, je ne sais pas, il se rebelle maintenant, tu vois, mon monsieur le président, il appelle, il ne prend même pas, il est à quelque chose. Jusqu'à Marcel, je ne sais pas si c'est pas. C'est Marcel lui-même qui est venu se trouver. Il a développé profondément. Il m'a réveillé. Quand je me suis réveillé, il est mon commandant. Il dit, pardon, je ne fais pas, voilà, allons-y. Quand on est venu, les gens sont assis. Dans le cas de l'État Mali, il dit, mais non, il faut qu'il sorte. Moi, j'ai besoin de lui.
il s'est caché, il a manœuvré ses relations, ils ont envoyé l'actuel inspecteur général des forces armées, Abdoulaye Keïta, comment on lui, il est descendu avec une poussette, il était avec le CC, et là, ils se sont pris avec le CC, ils ont pété, ils ont pété, ils ont assis dans la deuxième pour tranquille, il dit qu'est-ce qu'il y a. Il dit non, on a dit les bandits sont venus, c'était des noirs, c'est pas là, ils ne comprennent pas ça. Donc là où était cassé le président Silla, il a compris que vraiment c'est ce qu'il faut appeler. Ils m'ont appelé, on est monté. Il dit, mais voilà, je suis monté avec un plein qui était un bon frère. J'ai dit non, moi j'ai bien le deux copier les quatre. Il dit, mais c'est pour lui, j'ai dit non, c'est urgent. Il dit, mais il faut qu'il t'ait mal. J'ai dit non. Il a envoyé, j'ai signé. Au nom du CNPD, il a signé, il a ordonné, il est sorti, on a sorti. Ils ont pris un de ses véhicules pour cet enfant, pour m'a dit à la fin, j'ai dit retournez ça. Après, j'ai pris les autres, on est parti au camp. J'ai laissé les quatre camions.